Il y a une fissure à cet endroit-là. Là. Il y a une fissure dans le regard. Tout est posé autour, c'est de la terre. Il n'y a pas de pied. Ça, cette fond de tension-là, il n'est pas fait sur le pied. Ils l'ont posé directement sur la terre. Là, ça se remplit, mais l'eau, il a du mal à passer. Il a du mal à passer, donc il doit y avoir un bouchon un peu plus loin. Et deuxième chose, c'est que là, je vois la jointure. Là, tout sort, toute cette partie-là. Une jointure. Là, partout. Tout autour. Ce qui fait que peut-être l'eau, il se déborde à l'extérieur, ou quand il y a des fortes pluies, il y a de l'eau qui tombe là, sur les côtés aussi. Pareil. Là où sur la fissure, on va faire un test sur la fissure aussi. Mais là, en tout cas, toutes ces jointures là qui sont ouvertes, sûr et certain, ils font laisser passer d'eau. Votre parking numéro 5, j'ai fait un trait. Ça, ce trait là, c'est avant que j'arrose à l'extérieur de drain, à l'extérieur de regard. Donc, j'ai arrosé que à l'intérieur de PVC. J'ai des traits qui sont jusqu'à là, les traces d'eau là. Donc, là, je vois que c'est légèrement brillant. Donc, là, ouais, je vais essayer d'arroser à l'extérieur de drain. Ou bien peut-être là où je vois des fissures de drain ou là où il y a les jointures, je vais essayer d'arroser là-bas pour voir s'il y a de l'eau qui revient ici. Donc là, je vais faire l'arrosage tout autour au niveau des jointures. Première chose. Deuxième chose. À l'extérieur du regard, c'est là où on voit la fissure. Voilà, là on voit clairement la fissure est là.
En plus, dès que j'arrose la terre, il y a de l'eau qui descend quelque part. Et ce qui va, on sait pas. En tout cas, derrière, il y a un joint. Cet endroit-là, il y a une partie qui descend dans le regard. Et là, comme je suis en train de l'arroser ici, j'ai vu aussi que là, derrière le regard, un jour entre le mur par terre et le regard qui est posé là. Là, on voit quasiment l'ancien mur. Donc, ce qui fait qu'il y a un peu d'eau qui tombe à l'intérieur du regard, il y a une grosse partie qui va derrière le regard. Il y a ça, la fissure du regard, et en plus, quand on s'éloigne, là, on voit qu'il y a un légèrement décalage de mur là. Alors, sur la droite du regard, j'ai vu un trou qui est là-bas. Donc, je suis en train d'arroser le trou de la droite. Après, j'ai vu il y a un autre trou sur la gauche, légèrement, là où il y a le pot de plantes là, à cet endroit-là. Après, on va vérifier celui de la droite. Je vais vérifier celui de gauche. Là, j'ai laissé couler de l'eau de l'autre côté. Ici, voilà. Je vois des gouttes d'eau qui coulent là. Voilà. Et tout ça, ça vient de derrière le PVC. Et ça fait une traversée sur le côté. Et ça coule à cet endroit-là. Sur une installation pareille, là j'ai essayé de creuser maximum de la terre. Voilà, le problème ici c'est que comme il y a de l'eau qui traverse à cet endroit là, il descend, il passe derrière ce machin là qui essaie de couvrir, qu'il n'y a pas d'étanchéité, à chaque fois il y a de l'eau qui descend par là, voilà, malheureusement. Donc là j'ai une petite idée de la couper ou de la réduire. De faire de ciment bien chargé derrière tout ça pour que j'arrive, voilà, que je le coupe comme ça, que j'arrive à cet endroit là au niveau de ciment, je coupe toute cette partie là et après je vais faire une membrane d'étanchéité de sur tout cet endroit là qui va tout jeter à l'intérieur. Et là sur ce qu'ils ont mis, la partie qui, voilà, qui soit pas en contact avec qui fasse une séparation entre le mur porteur et le terrasse, ils ont mis juste pour faire croire qu'ils ont mis ça sous la terre alors qu'ils n'ont pas mis sous la terre. C'est une protection à mon avis qui tient de l'eau, ça évite que ça fasse des fuites, mais malheureusement là ils ont mis juste en face, hein, c'est tout. Après derrière il n'y a plus rien, hein. Donc quoi qu'il arrive, l'eau il passe. Donc là j'ai creusé au max, hein, je suis parti jusqu'à plus loin. Je ne vois pas du tout la protection ou la séparation entre le béton et le mur porteur et la terrasse. Ils se sont arrêtés à cet endroit là, ils ne sont pas partis plus loin. En espérant qu'il n'y a pas une autre fuite ailleurs. Mais là, d'après ce que j'ai vu, pour moi ça coule d'ici. Donc là c'est notre PVC qui vient se raccorder ici, c'est le pluvial. Au niveau de pluvial, il n'y a aucun souci. Le plus gros souci, ça vient d'ici. Voilà. Donc, allez voir, allez-y. Là, ça fait pas mal d'eau. Hein. Ah oui. Et que, après, sur... cette fois-ci, la fuite, elle vient pas directement de trou, si vous voulez. Elle vient depuis le local. Et comme je vois qu'il y a de l'eau, il n'y a rien qui tombe de là-haut. Il n'y a que de l'eau qui vient du local d'à côté, sur le long de PVC. Et ça tombe en bas. Il n'y a pas des gouttes d'eau qui tombent directement de là-haut. Il y a de l'eau qui vient depuis le local, sur le côté. Donc concernant le mur, ici il n'y a rien. Au-dessus, on n'a rien. Ça a l'air sec. Le PVC au-dessus, il est sec. Mais le PVC de bas, il est légèrement mouillé. Oui, mais alors quand vous avez vu le mur à côté... Sur le mur, il y a l'humidité. Dans le parking, moi je pense...